Hello tout le monde, c'est Hazard, comment allez-vous? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je tiens tout d'abord à remercier Code QG et Code CFC le Muclaude. Donc j'étais en recherche et sauvetage en clan vs clan sur la map Trémor. Je jouais à l'AK-12 silencieux chargeur de grande capacité avec comme atout passe-passe, robustesse, silence de mort, amplification. Et comme je jouais en spécialiste avec détermination, marathon et poids léger. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la guerre de clan, car beaucoup de personnes connaissent la guerre de clan, mais ne connaissent pas les subtilités. Donc on va commencer tout de suite. Donc la guerre de clan, qu'est-ce que c'est? C'est comme en fait la ligue de Black Ops 2, vous avez votre équipe, donc vous avez un clan, pas forcément de minimum, enfin de maximum 4 joueurs. Vous invitez tous les amis que vous voulez. Donc vous pouvez voir à l'écran en fait... Il y a un screenshot que j'ai fait avec mon iPhone, donc de l'application Call of Duty Ghost. Donc vous pouvez voir en fait tous les points de contrôle que je détenais. Donc qu'est-ce que les points de contrôle? En fait, vous avez pour la guerre de clan, en fait, pour gagner, pour marquer des points, vous devez en fait, grâce à l'application, donc activer la guerre de clan. Ensuite, vous allez pouvoir voir que vous avez des zones en fait neutres. Vous allez vous cliquer sur cette zone et vous voyez en fait différents modes de jeu, donc comme par exemple recherche et sauvetage, recherche et destruction, MME, éclair, traqué, domination. Vous avez également les modes de jeu hardcore. Et en fait, vous avez en haut à droite de cette application le nombre de victoires que vous devez faire avec votre clan pour détenir ce point de contrôle. Donc on va prendre exemple, moi pour la guerre de clan, donc qui était Rio de Janeiro, donc la guerre de clan de la semaine du 20 janvier, je crois, ouais, je crois qu'elle a commencé le 23 ou 24 janvier. Cette guerre de clan dure 3 jours. Donc je devais, par exemple, faire 7 victoires en match sur par équipe. Donc malheureusement, j'étais la seule personne de mon clan à jouer. Donc j'ai réussi à détenir les 10 points de contrôle, donc à moi tout seul. Donc ça équivaut en fait à 70, ouais, une centaine de victoires à faire. Donc là, ce que les personnes ne savent pas, enfin ne comprennent pas forcément, c'est lorsqu'en fait que vous jouez tout seul, que vous remportez une partie dans le mode de jeu que vous devez faire pour la guerre de clan, en fait vous marquez un point. Lorsque vous êtes deux à jouer et que vous gagnez la partie, donc vous êtes deux à dans la même, enfin du même clan dans la même partie, hein, bien entendu, vous marquez 2 points. Et lorsque pardon vous êtes 6, vous marquez 6 points. Du coup, plus vous êtes nombreux à jouer dans le mode de jeu pour la guerre de clan, plus vous allez marquer de points. Donc moi j'aurais joué avec 6 membres, j'aurais dû faire 2 victoires parce il en fallait 7. Donc ça aurait fait 6 et 6, 12, donc on aurait eu détenu le point de contrôle avec 12 points, donc 7 points pour la victoire et 5 points d'avance. Donc là, ça m'aurait permis en fait de passer aussitôt à un autre mode de jeu pour gagner plus rapidement. Et lorsque vous détenez en fait ce point de contrôle, donc vous avez vous en fait vous débloquez un bonus, donc c'est-à-dire vous détenez en fait un pourcentage d'XP dans ce mode de jeu. Donc vous pouvez voir en fait à l'écran, donc maintenant, tous les petits carrés jaunes qu'il y a sur le côté, c'est le nombre en fait de points de contrôle que j'ai détenus et le nombre d'XP que me rapportait en plus la guerre de clan dans ces modes de jeu. Donc par exemple en EC j'avais 50% de bonus en plus d'XP pour le clan. Donc comme vous pouvez le savoir, lorsque vous êtes en clan vs clan, vous gagnez une partie. Donc vous êtes 4, vous gagnez une partie, vous gagnez 400 XP. Alors que là, si on était par exemple 6 à jouer en EC, qu'on gagnait une partie, eh ben on gagnait, je crois qu'en partie classée, c'est 200 points lorsqu'on est 4. Donc ça devait faire environ 250 à 300 points. Plus un bonus de 50%, ce qui équivaut à 150 points en plus. Du coup, on gagnait 450 points en plus. Et lorsque vous détenez la recherche et sauvetage, la domination ou le mode de jeu éclair, que vous avez un pourcentage de bonus dans ce mode de jeu, vous allez en clan vs clan. Et du coup, vous détenez, enfin, vous possédez également ce bonus d'XP en clan vs clan. Du coup, ça vous rapporte beaucoup. Et lorsque vous gagnez la guerre de clan, enfin que vous passez de niveau et que vous avez le pourcentage, enfin vous avez 2 heures de double XP offert pour votre clan, qu'en plus vous avez le pourcentage d'XP pour votre clan lorsque vous détenez le mode de jeu et que vous jouez en clan vs clan. Du coup, par exemple en recherche et sauvetage, c'est multiplié par 2, du coup de 400 on passe à 800. En plus,
On gagne 40% d'XP, on va dire, enfin, on va arrondir à 50%. Du coup, on prend les 50% des 400 points de base. Du coup, on passe à 1000 XP. Du coup, par partie, vous gagnez 1000 XP au lieu de 400. Et je peux vous dire que pour faire monter votre clan, c'est assez rapide. Et ce que quasiment personne ne sait, c'est que vous pouvez avoir un camouflage exclusif en guerre de clan. Donc là, vous allez me dire, oui, on sait. Donc il y a celui gagner une carte de clan en or et gagner deux cartes de clan, enfin avoir le niveau 23. Moi, je vous parle pas de ce camouflage-là. Je vous parle du camouflage caméléon. Donc j'espère pouvoir vous mettre un screen à l'écran maintenant. Donc là, le camouflage caméléon, pour l'avoir, vous devez avoir une personne de votre clan qui détient en fait, enfin qui possède la Xbox One, qui joue sur Xbox One avec. Et vous devez gagner deux guerres de clan en division or ou supérieure et vous débloquerez ce petit camouflage secret. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc nous gagnons sur un 4-0, donc je termine sur un 12-2. Donc j'ai fait 3 full team en 3 manches. Et vous avez pu constater qu'à la dernière manche, bah, je me suis fait péter par les mecs qui campaient avec 2 IED, donc j'aurais pu le tuer et pourquoi pas m'enchaîner les deux autres qui arrivaient après. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde!